Même si tous les participants ont pu faire campagne, les conditions qui ont régi cette campagne ont clairement favorisé un seul candidat. Bien que déjà restrictives, les conditions pour devenir candidat ont limité une concurrence authentique. Tous les candidats ont eu accès aux médias, mais un seul des candidats, le Premier ministre actuel, a eu un net avantage dans la couverture médiatique. Les ressources de l'État ont été mobilisées à un niveau régional dans ce sens. Le choix des électeurs a été limité, la concurrence électorale a manqué d'égalité et un référent impartial a également fait défaut. Dans cette élection, nous avons remarqué que les candidats n'ont pas pu concourir sur une base égale. C'est notamment dû au fait qu'ils n'ont pas eu un égal accès aux médias et à la mauvaise utilisation des ressources de l'État. Les membres des bureaux de vote de la commission électorale n'ont pas toujours suivi les bonnes procédures. Il y a aussi eu des exemples de bourrage d'urnes. Donc, dans un tiers des cas, ces questions de procédure n'ont pas été respectées et ont généré des tensions.